Installe-toi tranquillement et confortablement dans ton fauteuil ou dans ton canapé. Attrape une bière et soyons fous, fais péter les chips et les cahuètes. Car aujourd'hui, ça va pas être une vidéo comme les autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir et j'espère te faire plaisir également. Oui, toi derrière ton écran. Toi qui me suis depuis le début ou toi qui viens juste d'arriver. Toi qui m'encourage, qui me soutient, qui me motive. Toi qui as changé ma vie sans vraiment le savoir. C'est un peu grâce à toi ou à cause de toi que cette année a été une de mes plus belles années. Alors c'est vrai, ça n'a pas été tous les jours facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On pourra même dire qu'en 2018, je me suis fait pas mal secouer. Secouer sur le vélo, mais également en dehors. Un peu comme ce jour-là dans les Pyrénées, dans ce 4x4 à la recherche du single parfait. Et c'est cette histoire qu'aujourd'hui j'ai décidé de te raconter. Pourtant, cette année 2018 avait plutôt bien commencé. J'ai pu poser mes petites fesses sur un très joli vélo de la marque suisse BMC. Je me suis fait plaisir avec, je me suis gavé, je l'ai martyrisé dans la forêt, je lui ai montré qui était le patron. J'ai eu le plaisir de découvrir le système DI2 de chez Shimano, un régal ce dérailleur électrique. Alors ce vélo, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Mais apparemment, c'était pas réciproque. Il a pas trop aimé se faire secouer dans les cailloux. Car au bout de quelques kilomètres, le coquin n'a pas hésité une seule seconde à m'éjecter. Et là, j'ai fini le cul par terre, affalé comme une loutre en détresse. Heureusement que les copains étaient pas là pour le voir. Sinon, ils m'auraient bien chambré. Oui, les copains. Tu les connais bien maintenant, toi aussi. Les trois mousquetaires qui m'accompagnent régulièrement, sans eux, ça serait pas pareil. Il y aurait beaucoup moins de galères, de chutes ou de fous rires. Donc après cette expérience douloureuse pour mon postérieur, j'ai retrouvé les trois fantastiques pour les sorties d'entraînement quasi militaires. On a enchaîné les sorties, généralement sous une pluie battante, histoire de rigoler dans la boue et de passer le reste de la journée à nettoyer le vélo. Mais on savait très bien qu'il fallait que l'on en passe par là. On avait besoin de bouffer des kilomètres, de capitaliser des bornes et du dénivelé positif. Car déjà dans nos têtes, on savait qu'un événement particulier nous attendait. Alors avec les copains, on a roulé, les kilomètres ont défilé, on est parti un peu partout. On est même parti dans l'Aveyron en plein mois de février. C'est pour dire si on en voulait. Bon, coup de bol, ce jour-là, il faisait beau et pas trop frais. Les randos et les sorties d'entraînement se sont enchaînées à un rythme effréné. Février, mars, avril, ces trois mois, on les a pas vus passer et là, le mois de juin est arrivé. Le premier vrai test de la saison 2018 a pointé le bout de son nez. Et sincèrement, on faisait pas trop les malins au réveil ce jour-là. En fait, les copains, c'est qui a choisi le seul putain de camping du département avec une fête de village qui nous empêchait de dormir une bonne partie de cette courte nuit? Je m'en rappelle plus très bien. Revenons à la Cap Nord. On s'était déjà frotté l'année dernière aux 65 km, mais cette année, on va dire pour parfaire notre préparation et renforcer la cohésion de l'équipe, on a choisi de s'aligner sur le 80 km de cette magnifique et mythique randonnée du sud de la France. Et je peux te dire, on n'a pas été déçus du voyage. Avant d'arriver au Pic de Nord, tu commences à nous connaître, on a quand même pas mal galéré. Ah, Marco et sa tige de sel télescopique, on en a quand même pas mal rigolé après. Il y a même eu pas mal de chutes, je crois que ce jour-là, on y est tous passés. Même Lolo nous a gratifié d'une belle figure digne des Jeux Olympiques.
et je peux te dire que ça, c'est plutôt rare. Je me souviens très bien également du moment où Marco a voulu fendre la montagne avec son oreille. Et comme tu l'auras compris, c'est pas l'oreille qui a gagné. Je suis sûr que tu t'en rappelles encore très bien de celle-là, mon Marco. Sacré Marco, il est reparti et il a rien lâché. Le soleil était de la partie, mais au fur et à mesure de l'ascension vers le pic de Nord, le temps s'est gâté. Et c'est avec la brume, le froid et le vent qu'on est arrivé au sommet. Après pas mal de souffrances, on y est arrivé, on a tous fini, mais certains ont eu besoin de quelques jours pour récupérer. Il y en a même qui ont eu besoin de plusieurs séances de kiné. J'ai pas dit qui c'était. Après une bonne bière, on est rentré à la maison tranquillement, des souvenirs plein la tête. On a retrouvé notre région avec ses paysages magnifiques et familiers. On pensait se rassurer, être plein de certitudes à l'approche de ce mois de juillet. Ah oui, c'est vrai que ça, j'ai complètement oublié de t'en parler. Marco avait un rêve. Et nous, comme des cons, on a décidé de le concrétiser, ce rêve. La date fatidique du 7 juillet se rapprochait petit à petit. Il nous restait encore quelques sorties pour préparer nos corps à l'effort qu'ils allaient devoir fournir durant cette journée. Et je crois que c'est à cette occasion que Lolo et Marco ont décidé éventuellement d'abandonner le VTT pour s'inscrire à des cours particuliers de plongeon synchronisé. Je m'en rappelle, j'ai bien rigolé ce jour-là. Donc on est reparti rouler. Comme d'habitude, on a un petit peu galéré. Après la tige de sel qui ne remonte pas, c'est les pignons de la cassette qui ont pété. Mais bon, rien ne pouvait plus nous arrêter. C'est pour ce rêve qu'on avait tout donné cette année, qu'on avait mangé des kilomètres. Moi, je suis retourné dans les Pyrénées, dans mon petit paradis à moi. Et bien sûr, j'en ai profité pour rouler, pour redécouvrir des villages quasiment abandonnés et parcourir les sentiers de mon enfance. 35 ans plus tôt, je faisais le kéké au guidon de mon BMX. Ça y est, il était temps d'abandonner les montagnes des Pyrénées pour les montagnes des Alpes. On avait obtenu une dérogation spéciale pour accompagner Marco réaliser son rêve. On allait participer sans aucune prétention à la MB Race. Une petite course du championnat du monde marathon UCI, qualifié du titre honorifique de course VTT la plus dure au monde. Bon, je te cache pas qu'à aucun moment on pensait la gagner, cette course. Cette course, elle était pour Marco. Nous, on était juste là pour l'accompagner à se dépasser. À se prouver que malgré l'handicap, lui aussi, il avait le droit de rêver.
Et oui, c'est encore très difficile pour moi de te résumer ce qui s'est passé ce jour-là entre nous trois. Il y a eu tellement de choses pendant cette magnifique journée où on a passé presque 11 heures sur le vélo. Et en ce moment, j'ai une petite pensée pour Titi qui était inscrit avec nous, mais qui au dernier moment n'a pas pu venir. On est passé par beaucoup de stades différents ce jour-là. Il y a eu de l'excitation, de l'appréhension, du stress, de la colère, de la déception, de l'énervement, de la rage et de la joie. Mais si j'ai un conseil à te donner, si un jour tu veux savoir qui tu es en réalité, c'est là qu'il te faut aller. C'est l'enfer sur terre dans un cadre paradisiaque. Je pensais être dégoûté du VTT pendant quelques temps, tellement que cette MB Race avait été compliquée. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Je pense que cette MB Race m'a ouvert les yeux, m'a donné l'envie de découvrir de nouveaux horizons, de partir à l'aventure, de découvrir de nouveaux paysages et de nouveaux projets. Et c'est vrai, parfois j'ai délaissé les copains à certaines occasions car j'avais besoin de découvrir d'autres horizons. Je suis parti en solo à plusieurs reprises dans le Lot, puis du côté de l'Aude, découvrir de nouvelles sensations. Et c'est surtout dans le Lot où j'ai fait ma plus belle rencontre de l'année. J'ai croisé un arbre de très très près. Je comprends pas toujours aujourd'hui ce qu'il faisait là, tout seul, au milieu de cette terrible descente en train de traverser. Mais bon, je me le suis pris et on a bien sympathisé. Voilà, on arrive enfin à la conclusion de cette vidéo. Et je pense que dans la vie, on est confronté tous les jours à de nouveaux défis. Nouvelle année, nouveaux défis, nouveaux objectifs. Et cette année, j'ai décidé d'être encore plus proche de vous tous. Je veux m'améliorer, me surpasser, faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. Vivre de nouvelles expériences, visiter de nouvelles régions et peut-être même de nouveaux pays. Découvrir de nouvelles sensations et même peut-être changer occasionnellement de monture. Je suis sûr que pour cette nouvelle année, il y a des milliers de kilomètres qui m'attendent. Et j'ai qu'une chose en tête, j'ai vraiment hâte de commencer. Cette année, j'en suis sûr, elle va être passionnante. Maintenant, vous savez tout, je n'ai plus grand-chose à vous raconter. J'espère sincèrement que tu t'es régalé derrière ton écran. Et je pense que maintenant, tu es aussi excité et impatient que moi de découvrir ce qui nous attend pour 2019. Alors, n'oublie pas. N'oublie pas d'en profiter, de savourer chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque moment qui va passer tout au long du chemin de cette nouvelle année. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.